kon me nooit inbeelden hoe het was om beter te zien of om goed te zien. Die verbetering die ik heb geboekt is voor mij ongelooflijk. Misschien is het een theorie op papier. Gaat het misschien maar over enkele procenten of kleine dingen, maar voor mij is dat gewoon ongelooflijk. Ik kon er alleen maar van dromen. On regarde ce qui ne fonctionne pas dans une rétine pathologique comme chez Talha. Il y a le recyclage de vitamine A qui ne s'effectue pas comme il faut. Le recyclage de vitamine A qui est essentiel pour le bien-être de la rétine. Les deux types de cellules photoréceptrices doivent utiliser de la vitamine A, je peux même dire use de la vitamine A qui doit se recycler au niveau d'une couche cellulaire qui est juste en dessous. Cette cellule utilise les deux copies d'un gène qui s'appelle RPE65 pour produire une protéine qui est essentielle. Et cette protéine RPE65 recycle cette vitamine A et rejette ça vers les photorécepteurs. Tala est un patient que je connais depuis son enfance. Pouvoir offrir à ce patient une thérapie qui vraiment augmente la vision de façon spectaculaire est vraiment un but que j'avais depuis longtemps, mais que je ne pouvais jamais atteindre. Aujourd'hui, ça s'est fait, donc je suis hyper heureux, je peux dire. Alors, Tala, effectivement, comme il est encore assez jeune, il a des cellules qui sont encore préservées et qui peuvent donc être des bonnes cibles pour la thérapie génique. Le traitement de Luxturna est en fait administré via une intervention chirurgicale sur la rétine. Le moment crucial de l'intervention est que nous injectons au centre de la rétine le produit, donc le Luxturna, qui contient la thérapie génique, donc sous la rétine par le biais d'une très très fine aiguille d'un diamètre de 0,1 mm. Nous faisons ça aussi à l'aide d'un scan de la rétine qui va nous permettre en permanence de contrôler déjà si nous sommes au bon endroit pour l'injection et de voir comment ce liquide en fait se disperse sous la rétine. Donc on a un contrôle pendant toute l'injection. Ce qu'on a effectué pour Tala, on a injecté donc 300 microlitres de liquide qui contient 150 milliards de virus. Les virus vont cibler l'épithélium pigmentaire, donner à ces cellules une nouvelle copie du gène dont Tala, de la nature, a deux mauvaises copies. Le résultat final, c'est une amélioration de vue. Cette thérapie génique a été mise au point, enfin les recherches sont en cours depuis 20 ans. Cette thérapie, nous l'avons administrée pour la première fois ici en Belgique, à l'UZ Ghent, car nous bénéficions du remboursement par l'INAMI seulement depuis le 1er avril. Et l'UZ Ghent est actuellement le seul centre pour la thérapie génique oculaire reconnu en Belgique. Ik weet zo wel dat de behandeling mijn levensstijl gaat veranderen. Ik ga veel zelfstandiger kunnen zijn. Ik zie veel beter in het donker gewoon. Mijn zicht gaat niet meer achteruit. Wat ik heb, blijf ik behouden. Die sprong die is ongelooflijk. Ce qui est très bien maintenant, c'est que l'INAMI a accepté le remboursement de ce traitement très innovateur. Et donc, ceci donne de l'espoir. Ceci ouvre des possibilités pour le futur, là où en fait, on développe ici à Gand également plusieurs thérapies innovatrices. Et donc, la Luxturna est la première thérapie qui est vraiment acceptée pour le remboursement par l'INAMI. Et moi, je suis très content de pouvoir l'offrir à mes patients.